broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Allô tout le monde! Aujourd'hui, je fais un vidéo spécial Back to School. J'ai l'air contente, mais non, non. L'été était court, hein? Oui. C'est une saison assez brève, je trouve, l'été. Ça passe vite, on s'en rend pas compte, puis l'école arrive très rapidement. L'école, elle, par contre, ça passe pas vite. Non, non, non. Mais pour vrai, malgré tout, on dirait que ça faisait tellement longtemps que j'étais en congé, que ça fait du bien de retourner à l'école et d'avoir des devoirs. Est-ce que je suis la seule comme ça? Je suis peut-être bizarre. Bref, tout ça pour dire que j'ai commencé cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Ça va pas bien, je suis déjà perdue dans ma semaine. On est mardi. Mon cégep commençait hier, mais moi, j'ai pas de cours le lundi. Hein? Je suis chanceuse. Hier, j'ai déjà eu ma première soirée au Starbucks, petite soirée devoir avec deux de mes bonnes copines. Parce que oui, j'avais déjà des lectures sans avoir commencé le cégep. On a reçu des beaux Mio. Pour celles qui ne connaissent pas ça, des Mio, vous voulez pas connaître ça, j'expliquerai même pas c'est quoi. Mais en tout cas, des messages de nos enseignants nous disant de belles lectures à faire. Beaucoup de lectures, pour vrai, oh my god. Ça commence rien. Aujourd'hui, moi je suis là pour vous donner 10 conseils concernant... votre entrée dans le milieu scolaire, je veux dire, votre entrée au collégial. Surtout pour les gens qui commencent le cégep ou qui voudraient se redonner une nouvelle structure de travail pour le cégep. Donc voilà. Premier conseil, ça c'est vraiment niaiseux, ok, mais ça paraît là. C'est de garder votre agenda à jour, ok? Avant je le faisais pas, ok, j'écrivais jamais dans mon agenda puis je le traînais pas. Puis j'avais tout le temps des petits papiers un peu partout dans ma maison, genre dans mon bureau, dans ma chambre, avec des trucs que j'avais à faire ou des devoirs ou peu importe. Mettons, j'avais des devoirs que j'écrivais sur mon cellulaire. En tout cas, c'était comme tout éparpillé, puis il n'y avait comme pas de centre-mère pour tout mettre cette information-là à une seule place pour que je sache où j'en suis rendue. Donc voilà mon point, de toujours garder votre agenda à jour, que ce soit... d'écrire les examens en avance, d'écrire les remises de travaux en avance, c'est tellement important là, parce que aussitôt que tu tournes ta page, ou que si jamais t'es curieux, tu peux même aller voir des pages en avance, tu sais, plus tu dis ok, il me reste 2 semaines avant cette remise de travail là, peut-être qu'il faudrait que je commence à le commencer. Peut-être qu'il faudrait que je le commence. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire là. Ça vous dit au palais, dans une couple de jours là, ça s'en vient mon petit pète, go, 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 go. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une certaine structure de travail. Ça permet aussi de répartir votre temps. Moi dans mon agenda, j'aime ça écrire vraiment tout. Mes devoirs, mes rendez-vous, mes n'importe quoi, n'importe quoi. Regardez, okay, ça fait une journée que j'ai commencé là. Puis j'ai déjà tout ça décrit, okay? Ça peut vous montrer comment j'aime ça quand c'est bien structuré. Ici, je me suis fait une... je sais pas si vous allez voir, là, mais c'est écrit pour jeudi. Après ça, j'ai pour vendredi. Ça, c'est mes devoirs pour ce cours-là. En tout cas, tout ça pour dire que moi, personnellement, le fait de m'écrire mes travaux puis mes examens en avance, ça me permet vraiment une meilleure préparation puis ça fait une différence. Deuxième conseil! Oh là là! Ça, je sais que c'est difficile, ok? Surtout pour les gens qui vont arriver du secondaire, là, attelez-vous, ok? Parce que j'ai fait la même chose, moi, au début du cégep, là. T'as envie de te mettre avec tes amis, t'as envie de t'asseoir avec les gens que tu connais. Je le sais, ça, je le comprends. Tu vas au cégep, tu connais personne, tu feras pas... je vais aller me faire des amis. C'est rare qu'on ait cette envie-là. D'habitude, ok? À moins d'être vraiment sociable ou d'avoir une facilité avec les gens, là, c'est bien rare qu'on va d'emblée aller vers les gens comme ça. Surtout qu'on s'entend qu'au cégep, des fois, il y a déjà des petites gangs de formés des écoles qui arrivent ensemble. En tout cas, peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Mais mon point est que faites attention avec qui vous vous mettez. Autant pour les travaux d'équipe que pour juste les cours. Genre, avec qui vous asseyez, genre, pendant le cours pour écouter, là. J'ai bien dit écouter parce qu'un cours, ça sert à ça, écouter. Oui, faites attention avec qui vous êtes, ok? Parce que souvent, comme je dis, on a tendance à se mettre avec nos amis. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, on a des bons amis qui sont comme nous des fois, mais il faut en trouver des comme nous justement, parce qu'il y en a que ils ont juste envie de niaiser, de foirer, la marre, de pas écouter, de parler, de dormir parfois, de texter, de parler de sa soirée au Dagobert la veille. Mais c'est comme pas une bonne... c'est pas une bonne idée de s'asseoir à côté de ces gens-là pour vrai, à moins que votre but soit de ne pas bien suivre dans vos cours,
En tout cas, c'est vraiment vous qui sachez, là, mais c'est vraiment un conseil, moi, que je vous donne, de vous mettre avec des gens. Si vous êtes quelqu'un qui veut écouter puis comprendre, mettez-vous avec des gens, vous savez, qui parleront pas. Puis s'ils parlent, là, c'est pour vous expliquer quelque chose ou pour vous dire, hey, c'est quoi ça, peux-tu m'aider? Pas de Dagobert là-dedans, là. Pas de... Non, non. On s'entoure de gens qui peuvent nous soutenir dans nos études puis qui ne nuiront pas justement à nos études par notre capacité d'apprendre. Parce que pour vrai, une grande partie de notre apprentissage se passe dans nos cours, ok? Je n'apprends rien, là. Puis bref, moi j'ai fait ces erreurs-là au début de mon cégep puis pendant tout mon secondaire de mettre avec des gens que je savais que j'allais avoir bien du plaisir, mais les notes venaient pas nécessairement avec. Puis on dirait que j'avais pas une bonne influence. Tu sais, t'es avec quelqu'un puis il te dit... dans le fond, cette personne-là, mettons, elle fait jamais ses lectures, ben toi, tu vas te dire, pourquoi moi, je ferais les miennes? Mais c'est pas comme ça qu'il faut penser, là. Pensez à vous, okay? Parce que dites-vous que là, vous êtes au cégep avec cette personne-là, mais plus tard, dans votre carrière future, vous allez être tout seul. Ben, je veux dire, vous serez pas avec elle. Fait que vous allez devoir vous débrouiller en fonction de ce que vous avez appris et des connaissances que vous avez accumulées au fil du temps. Voilà. En gros, là, je vous dis juste de bien vous entourer, ok? C'est... Prenez, genre, vos pauses pour parler avec vos amis, puis vos cours, là, concentrez-vous. Sur la matière. Troisième conseil, c'est vraiment niaiseux et basique, ok, mais pour moi ça fait une grande différence. C'est une de mes professeurs à ma première session de soins qui nous avait donné ça. C'est une professeure en psychologie. Puis en tout cas, elle avait remarqué que les étudiants de soins avaient de la misère à bien rentabiliser leur temps, puis bien structurer leur horaire, tout ça. Puis qu'est-ce qu'elle nous a fait? C'est qu'elle nous a fait des calendriers, mais pour toute la session au complet. Ça, là, mes amis, là, c'est un cadeau de Dieu. Puis je suis sûre que c'est pas compliqué à faire, là. Nous, elle nous l'envoie à chaque session maintenant, là. Mais regardez, je pense qu'elle l'a fait sur Excel, là. Puis on a toutes les semaines. Semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 15, je pense, 16, 17, 17. On a toutes les semaines. Puis encore là, moi, j'écris mes examens, mes remises de travaux. Puis tout ce que je sais que j'ai d'important qui s'en vient. Fait comme ça, j'ai pas de surprise. Avec ça, là, on voit clairement où on est rendu, où est-ce qu'on s'en va. Exactement, vers quoi on se dirige. Pour elle, là, moi je trouve que c'est la meilleure solution. Pour une session, là, c'est parfait. C'est vraiment, vraiment parfait. Puis moi, à chaque jour qui passe de ma session, je le surligne. Fait comme ça, je vois comme une progression. Puis je vois que la fin approche. Vous voyez, ça là, c'est comme un encouragement. En même temps, d'une façon de structurer ces trucs, c'est vraiment parfait. Fait que je vous le conseille vraiment, là, si vous êtes capable de vous faire un calendrier comme ça, avec une page, ok, pas besoin de tourner de page, tout ça, là, c'est juste une page bien remplie. Mais c'est votre session complète qui se trouve devant vos yeux. C'est merveilleux. Quatrième conseil. Là, je suis consciente que ça dépend des gens. Okay? On n'a pas comme tous les mêmes objectifs. On n'a pas comme toutes les mêmes façons de travailler. Moi, comme je vous dis, c'est une méthode qui a fonctionné pour moi. C'est de faire des guides d'études, des résumés de ce que vous voyez, des notes que vous prenez, des lectures que vous faites. Parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne bien. Je sais que quand je recopie des choses, quand je me fais justement des guides d'études, là, puis que je le relis par la suite, là, ça se fait tout seul, ça rentre dans ma tête tellement facilement. Là. Les gens qui ont la volonté puis que ça leur tente, là, faites des guides d'études. C'est parfait. Puis au moment des examens, vous sortez vos guides d'études puis vous ne faites que les lire. Parce que vous avez déjà toute la matière. Pas besoin de tout aller chercher la matière que vous avez besoin, vous l'avez déjà de fait. Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous faire des guides d'études. Conseil numéro 5, je vous conseille d'étudier dans vos petits temps libres, ok? Comment je pourrais bien dire? Moi, je vais à l'école en autobus, ok? Puis quand j'ai quelque chose à étudier ou quand justement j'ai un guide d'études de fait ou quoi que ce soit, que j'ai des notes de prise, dans l'autobus, là, au lieu de jouer à Candy Crush, mettons, ou je sais pas, moi, texter, n'importe quoi, là, je vais souvent étudier ou lire justement mes guides d'études. C'est niaiseux, mais ça me prend 15 à 20 minutes me rendre à mon cégep en autobus, puis 15 à 20 minutes revenir. Fait qu'on s'entend que ces deux moments-là ensemble, ça fait environ 30 à 45 minutes d'études, ok? Que j'ai de gratuit dans ma journée, parce qu'on s'entend que dans l'autobus, vous ferez pas grand-chose de productif, puis vous avez pas le choix de prendre la bus. Fait que vous remplacez pas ce temps-là par une sortie je sais trop où, là. C'est du temps que vous prenez, que vous auriez rien fait anyway, pour étudier. Puis moi, je trouve ça vraiment génial. Fait que pour vrai, les petits moments que vous avez comme ça, genre un petit moment d'attente, là, mettons que vous allez à une clinique sans rendez-vous puis vous attendez, là, ben, justement, au lieu de jouer à Candy Crush ou n'importe quel jeu que vous jouez, je délique pas Candy Crush, j'adore Candy Crush. Peu importe l'activité que vous faites, là, qui serait moins utile qu'étudier, ben, profitez-en pour étudier un petit peu, ça fait toujours du bien puis ça rafraîchit votre matière, justement. Ensuite, oh ben là, ça c'est sûr, là, mais faut trouver un endroit propice à l'étude.
pour faire vos devoirs, là, faites pas ça devant la télé, s'il vous plaît, là, genre... Si vous savez en plus que vous avez la misère à vous concentrer, là, ben, l'idéal, là, c'est pas de faire vos devoirs à la cafétéria où qu'il y a genre 500 000 personnes autour de vos 18 amis qui se mettent des nouilles dans le nez puis qui font de la merde, ok? C'est... J'ai pas d'amis qui fait ça, mais j'ai toujours voulu un ami qui fait ça. Mais voilà, donc, trouvez un endroit propice à faire des devoirs, calme, qui stimule vos sens, je sais pas, là, un endroit qui vous donne le goût de travailler, là. T'sais, installez-vous un beau bureau qui vous manque de rien, que vous n'aurez pas besoin de vous lever ou quoi que ce soit, qu'il n'y aura pas de distraction de télévision ou quoi que ce soit, votre petite soeur qui crie à côté dans sa chambre, n'importe quoi. Faudrait, si c'est possible, trouver quelque chose. Sinon, dans vos cégeps ou secondaires, peu importe, là, il y a toujours des locaux disponibles, là, pour les travaux, souvent d'équipe, là, mais vous pouvez sûrement vous arranger pour être tout seul ou avec une autre de vos amies qui, elle aussi, est silencieuse, évidemment, idéalement. Mais c'est ça, arrangez tout le temps pour faire des devoirs dans une ambiance propice à ça. Sinon, vous y arriverez pas, vous allez les faire tout croche, puis ça servirait à rien. Faudrait les refaire en double, puis ça serait du temps perdu, encore une fois. Concernant l'étude, un autre conseil que je peux vous donner, c'est faire des pauses, ok? Moi, pendant mes premières sessions, j'avais tendance à surcharger mes périodes d'études. C'est-à-dire, je pouvais passer 3 heures sans pause à étudier, 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 étudier. Mais pour vrai, il y a un moment que vos yeux, votre cerveau, genre vos oreilles saignent. Tout saigne, ok? 3 heures sans arrêter, c'est impossible. Votre cerveau, il va même pas enregistrer l'information anyway, ok? De ce que je me suis fait dire, là, c'est 20 à 25 minutes d'études intenses, là, sans distraction, que de l'étude concentrée sur votre matière, là, que votre cerveau peut tolérer. Par la suite, là, ça va s'en venir de plus en plus flou puis de moins en moins utile, si on veut, parce que le cerveau retiendra pas ce que vous voyez. Donc, c'est important de prendre des pauses, ok? De prendre des pauses, des petits moments pour décanter, là. Je dis pas 3 heures, là, mais mettons peut-être un petit 10-15 minutes de pause, puis après ça, vous pouvez retourner à vos études. Mais assurez-vous de pas faire ça pendant 4-5, trop longtemps, là, de suite, ça sera absolument rien. C'est pire que d'étudier, que de pas étudier quasiment, parce que ça sert à rien. Ça va juste plus vous stresser parce que vous allez rien comprendre, plus vous allez lire. Donc voilà pourquoi il est important de se prendre d'avance, parce que ça sert à rien d'étudier la veille pendant 6 heures. Je me suis fait dire par une spécialiste, je vous le jure, là, que valait mieux ne pas étudier que d'étudier la veille de son examen pendant toute la nuit. Ça peut vous dire à quel point c'est vraiment stupide de faire ça pendant une trop longue période, là. Non, non, faites pas ça, vous allez saigner. Évidemment, autre conseil, évidemment, incontournable, là, c'est le sommeil. Dormez! Seigneur! Des fois, on a tendance à pas dormir. Là, je sais qu'il y a des gens qui rentrent au cégep qui vont avoir 18 ans, ou qui viennent de l'avoir, ou que leurs amis ont eu 18 ans. Ou vous êtes un peu rebelle, vous avez 17 ans, mais vous avez des bonnes cartes, fait que vous sortez quand même. C'est vous les pires, pour vrai, mais sachez que... Une bonne nuit de sommeil, là, y a rien de mieux que pour être concentré dans ses cours. Puis, vous allez voir, là, au début, vous vous dites, oh, non, non, moi, je veux sortir. Ouais, je veux sortir. Mais non. Vous allez voir qu'avec le temps, là, un vendredi soir à rien faire, puis à étudier, puis dormir, là, ça va être un vendredi soir idéal pour vous. Vous allez même pas vous dire, je fais rien un vendredi soir. Non. Vous allez réaliser qu'il y a comme autre chose que ça. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Je vous comprends, vous pouvez avoir votre partie, votre maman party animal. Moi aussi, j'ai déjà été party animal. Et je comprends ce besoin intérieur. Mais c'est ça. Un jour, faut passer au calm animal. faut voir l'après. Voilà. Ensuite, j'en ai parlé un peu tantôt, mais c'est de prendre de l'avance. Quand vous avez rien à faire, là, au lieu d'écouter genre 8 épisodes de America's Next Top Model, une après l'autre, là, faites vos devoirs, pour vrai! Vous allez tellement vous sentir mieux après, là, je vous le jure! Je vous le jure, on se sent tellement bien quand nos travaux sont faits. Ce qui est encore plus jouissif, là, c'est quand vos amis disent « Ah, merde, faudrait que je fasse ça, moi je l'ai pas encore commencé. » Puis toi, tu dis « je l'ai déjà fait, moi. » Ouais, c'était vraiment long puis dur, mais moi, je l'ai déjà fait. Alléluia! Pour vrai, il y a rien de meilleur comme sentiment. Fait, faites vos travaux d'avance quand vous pouvez, là. Vous savez jamais quel imprévu peut arriver, ok? Puis le fait de l'avoir fait d'avance, là, c'est la meilleure chose que vous pouvez pas faire. La meilleure, ok? La meilleure, la meilleure, la meilleure. Finalement, ok? Ça, c'est un conseil que je ne pourrais pas passer à côté, là, mais c'est servez-vous des ressources que vous avez. Les professeurs, les aides, les services de... tous les services de l'école, autant vos amis, vos profs. Je suis désolée, les amis, mais j'ai manqué de place. Puis là, j'ai eu un cours, fait que c'est pour ça que l'éclairage a changé.
Il est comme 3-4 heures, presque 5 heures plus tard, là. Mais je tenais à finir mon dernier conseil. Donc, je suis en train de vous dire d'utiliser vos ressources, vos parents, vos amis, les professeurs, tous les services qu'il y a dans votre école, autant cégep que secondaire. Profitez-en. Pour vrai, ils sont là pour vous, ils sont là pour personne d'autre. Puis les gens qui ont la misère en maths, il y a des gens qui peuvent vous aider. Les gens qui ont la misère en français, il y a un centre d'aide en français si je prends exemple sur mon cégep. Pour vrai, là, les profs qui vous donnent des dispos, là, c'est pas pour le fun, là. C'est pour vous, puis ils savent que vous allez en avoir besoin. Puis même si vous n'en avez pas besoin, là, validez-vous. Il n'y a rien de mal à ça. Puis au pire, vous allez avoir la bonne réponse, vous allez voir. Finalement, je comprenais tout. Fait, bref, tout ça pour dire que j'espère que je vais avoir aidé un petit peu pour ceux qui rentrent au cégep et qui étaient un petit peu stressés. Sinon, j'espère que j'ai pu aider. Voyons, j'espère que j'ai pu aider au moins une personne avec au moins un conseil. Puis sinon, ben laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Puis on n'oublie pas de mettre un pouce vert si on a aimé la vidéo. Et puis n'oubliez pas de me donner des suggestions si jamais vous avez des idées, des choses que vous aimeriez voir. J'avais pensé peut-être faire un back to school avec des outfits. Vous m'en parlerez si c'est quelque chose qui pourrait peut-être être intéressant. Vous me le direz. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!